Bon, on espère qu'on est live. Salut, j'espère. Là, alors attends, on va voir. Ça a l'air mal parti là. Là, ça a l'air mal parti, on va voir. On espère qu'on est live. Suspense, on est là, yes. Le roi de la prod, le roi de la technique. Bah écoute, on dirait. On est capable de lancer un stream. C'est on est bon. On est talentueux. On est bon. Eh bien, bonsoir à tous, 5 minutes de retard, parce qu'en fait, on vient de finir de record une vidéo qui sera postée demain matin. C'est un peu une vidéo de l'imprévu. Hein. Ouais, non, c'est ça. Il se passe des choses dans cette vidéo. Comme tu dis, il se passe un peu des choses. On est ravis de vous retrouver. Bonjour YouTube aussi. Ben ouais, salut à tout le monde. Hein, ah, YouTube, c'est important. Ah ouais. Non, c'est important de le signaler. De toute façon. Voilà. Comme vous le savez, à partir de maintenant, ça va être en live tous les dimanches à 20h. David et Mehbi, physiquement présents pour le retour du Earth Show. Une jolie petite déconnexion. En plein milieu. C'est bon, ça. C'est bien, ça. Cool. Hearthstone, des petits problèmes, Hearthstone? Ah non, c'est Hearthstone. Ouais, bon. Bah, écoute, c'est pas grave. De toute façon, on était quand même pas en game, donc c'est pas forcément un problème. Ouais, parce qu'apparemment, oui, c'est Hearthstone. Et salut à tous, hein, sur le chat. Salut Ornex. Salut... Voilà, on est de retour. Salut tous, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, on va être en live au moins deux heures tous les dimanches, 20h. Pourquoi? Parce que vous avez été très nombreux à nous dire « Oui, mais on ne sait jamais exactement où et comment tu streams. » Donc, on voulait répondre à la question simplement. Non, c'est fixe, quoi, on stream et on record ensemble les dimanches. C'est ça. Façon HSFR. Ouais. En fait, on a décidé de fonctionner un petit peu. Fonction HSFR. On fait nos records de vidéos. On n'en fera peut-être pas 7, on en fera 4, 5 par semaine. Et puis... on fera les lives dans la folie. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Mais je suis blindé vieux, arrête de me le rappeler. Donc... Tu fais blindé vieux Mehbi, c'est ça? Ouais, mais bon, là j'ai pris un coup de vieux, mais c'est pas ça dans la VOD. Là je viens de prendre 10 berges, hein. J'ai commencé, j'avais 23 ans. Hein. Et donc du coup, on espère que ça va vous plaire. Ben ouais. Le retour des Earth Show, parce que c'est vrai qu'on voulait justement des lives un peu plus. Ouais, allez, des lives au moins fixes, quoi. C'est ça, des lives fixes. À un moment où vous étiez sûr de nous trouver, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas streamer chez Nvidia, ça ne veut pas dire que je ne vais pas streamer sur Géo. D'ailleurs, la baston avec De Fichou devrait être programmée. Il y a pas mal de retard. C'est toujours Don't Stop Me qui est dans la baston, ou je sais pas. Ah non, mais je veux dire, la dernière, c'est lui qui l'avait eu ou... Je ne sais pas encore exactement qui va reprendre, mais en tout cas, c'est prévu dans les semaines qui viennent. Parce que c'était lui le roi de la baston, hein, oui, ça s'est coupé. Hein. Ah, écoute... Il m'avait sorti d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Ouais, écoute, j'étais à 4, j'étais en passe de piquer le cookie à Oliège. Et non. Alors, écoute, du coup, je vais quand même te passer la souris. Parce que on est parti sur du beau jeu sur le compte de Mehbi. Bah écoute, tu peux jouer. Quoi, sur le compte de Mehbi. Bah ouais. Pour voir les gens. De toute façon, on joue quand même ensemble, donc. Oui, mais enfin. Comme ça, s'il y a un misclic, tu vois. Ok, tu veux pas la responsabilité du mais quand même 642, donc c'est déjà pas si mal. Ouais, ça c'est pas terrible. J'étais presque au rang 100 hier, puis je me suis fait reboot un petit peu. Tu t'es fait reboot. Ouais, trois fois je me suis fait reboot aux portes du top 100. Tu vois, je te vois. Ouais. Ouais, moi j'imaginais plutôt le Mehbi le lendemain matin, c'est horrible, ouais, un bébé dans le lit qui s'est passé, bah reboot. non, mais c'était horrible. Et donc du coup, on voulait montrer plutôt du beau jeu. Ouais. Et là, t'avais envie de nous jouer un bon mage freeze, mais la version up-to-date. Ouais, c'est la dernière version du gars que j'estime comme la référence du mage freeze, là, Low King, ben, bref, ce mec-là. Ouais. Et donc voilà, après, si vous voulez, j'ai le prêtre dragon de Weasel qui est vraiment bien. J'ai le nouveau zoo, le tout nouveau, là, le fameux burst avec les Drake Azur. J'ai le zoo aussi d'un des contacts qui a fait top 1 légende cette semaine avec. Ah bah écoute, donc j'ai pas mal de choses sous la main. Écoute, si on commençait avec le Sakai. D'ailleurs, je vais faire une petite manipulation. On a oublié parce qu'on l'a enlevé. Petite manipulation technique rapide, allez, gens. Hop. Ah oui, hop, voilà. Comme on est. Exactement. T'as oublié aussi les. Ah non, j'ai pas oublié. Les Chuck Norris? Non, les. Mais ça devrait être là. Pourquoi ils sont pas là? Tu vois de qui je veux dire? Tu vois de quoi je parle? Et en plus, il y a une deuxième image derrière nous, là. C'est pas ça que je devais faire. Non.
T'as raison, je me suis complètement... Voilà, David va tout casser. Voilà. C'est ça que je devais faire. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus professionnel. Voilà. Beaucoup plus professionnel. Et donc, du coup... alors, je dis ça, je dis rien, mais s'il y a des gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore follow, moi, si j'étais vous, je followerais. Ouais, j'essaierai pour voir. Allez, on va quand même lancer la game, là. Parce que... Alors, dans cette méta, concrètement, avant légende, on voit quoi? On voit du zoo. On voit du zoo. Un petit peu de paladin. Et est-ce que j'ai cité le zoo? Oui, oui, tu as cité, oui, le zoo. Cité le zoo. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit. C'est Esquilax à droite. Non, c'est pas Esquilax. Il a, oui, on a mangé beaucoup de méchouilles et pris 30 kilos. Le grand. Oh, un zoo. Et ceci dit, vous êtes assez proche. Le plus plus. Ouais. Monsieur et monsieur, madame LOL. Qui commence? Ont un fils. Comment? Le. Bah, puce. Bah oui, puce. Bon, allez, c'est facile. Alors, Davido, devrait pas refaire des vidéos avec Esquilax. Ça fait plaisir de voir Mimi. Je devais, mais j'ai proposé une dizaine de fois au minimum depuis le mois de juin à Esquilax de faire des vidéos. Il n'a jamais donné suite. Donc, je pense que on n'en fera plus. Voilà, tout simplement, je crois qu'il n'est plus intéressé à faire des vidéos. Alors là, en fait, je garde, même si c'est un peu greedy, mais je garde toute ma pioche. Oui, parce que c'est de la pioche, c'est de la pioche, mais t'en auras besoin. C'est ça. Donc là, évidemment, l'idéal serait été d'avoir un savant fou à la place de Stalnos. Ce qui se passe, c'est que pour même tarif, je me retrouve avec une Alexstrasza et je suis pas content, quoi. Donc, je me dis, bon, allez, au moins, ça le mérite de piocher. Et c'est ça. Alors ici, qu'est-ce qui va nous jouer pour deux? Alors probablement un Dark. Ah, mais là, du coup, tu sais pas à quelle version t'as à faire. Ben, déjà, je me dis. Il a craqué sa pièce, donc potentiellement... C'est pas plutôt du contrôle, ça? Ben non, je pense que c'est justement potentiellement un zoo, parce qu'un contrôle aurait probablement pas craqué sa... Il n'aurait eu... Ah, oui! Oui, parce que comme il craque sa pièce, tu vois, donc... Oui, c'est vrai qu'on est tout rang pour lui, voilà, j'étais déjà parti. Tu veux le pinguer? Ben, je pense qu'on va se diriger vers un ping. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais éventuellement envisager un trade avec mon... Alors, on me demande... Il s'est passé quoi avec Esquilax au fait? Oula, mais ça date quand même du mois de juin. Hein. On va pas vous faire l'historique depuis le mois de juin. Tu vas y passer à chaque fois. Tout simplement, Esquilax et moi, nous avons arrêté de travailler ensemble. Je sais faire cet arrêt. Ah, David, c'est quand la FAQ? Sinon, vous êtes toujours en contact avec Esqui ou plus trop? Une autre question. Moi, je vais répondre rapidement. Non, nous ne sommes plus en contact. Ça fait, je pense. Moi, je n'ai plus eu de contact avec Esquilax depuis le mois de décembre. Je crois qu'il ne m'a plus contacté depuis juin, en fait. Ouais, écoute. On n'est plus trop en contact. Et là, je continue à sauter de ma pioche en essayant de contrôler un max. Est-ce qu'il est parti à la caisse de Gold Quest? Non, pas complètement, non. Alors, une bonne question. Est-ce que Maybe est puni? Il est dans le placard à balai. Sachez que c'est pas un placard à balai, c'est un bureau. C'est un bureau, hein. Simplement, la cam vous donne l'impression que, mais Maybe qui est présent, c'est un vrai bureau, monsieur. Écoutez, ouais, non, c'est un bureau en bonne et due forme. Voilà. En bonne et due forme. Donc là, il commence à me picoter, hein. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, je pense que je vais me diriger vers un petit pin, de toute façon, limiter les dégâts. Et probablement l'armure. L'armure maintenant? Ouais, probablement l'armure aussi. Parce que le bloc de glace, ça va commencer à me mettre trop bas et pouvoir éventuellement, je risque de galérer. Alors on en profite encore pour dire bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore follower de la chaîne, faites-le, vous verrez, on s'est trouvé un petit truc sympathique. C'est tout bête, mais c'est sympathique. Nous, ça nous fait rire. On espère que vous aussi. Alors là, je pense qu'il a, c'est un petit miss de sa part, parce que en mettant l'œuf à côté, il gardait la possibilité de pouvoir éventuellement attaquer avec et le casser de son propre choix. Bon, bah écoute, là. Ah, on nous dit que la musique du jeu est un peu forte. Ok. Tu sais réduire un peu. Bien sûr. Oui, les gens, dites-nous, hein. Tout à l'heure, on a dû modifier quelques réglages. Si la musique est trop forte, dites-le nous. On part comme ça. Vous dites ce que vous en pensez. Si seulement Maybe s'appelait Goliath. C'est fait, tu as follow. Ah mon dieu, David. Comment ça? Comment ça, ça? C'est fait, la follow. Ah! Ah! Badeus! Bon. Alors ici, j'ai plusieurs choix. Je me dis soit je pioche et je mets un piège d'armure. Ceci dit. Soit je mets le Toto. Le Toto, il serait déjà un peu embêtant, mais, hein. Mais mine de rien, il a quand même 8 points de dégâts sur le board. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Remettre une deuxième barrière de glace? Je pense que je commencerai par pioche. Là, en fait, ce que je veux concrètement, c'est un épuisement. Ce serait vraiment bien. Ouais. Ah, t'as l'Alex aussi.
Voilà, t'as vu comment j'étais la mettre en haut celle-là? Peut-être qu'elle va me donner 9 points d'armure si je la mets. Non, c'est jamais, c'est jamais. Alors, on te dit, maybe, que tu es mieux sans ton chapeau. Ah bah écoute, là j'ai... Oh. Ah, c'est dur. C'est embêtant ça, mais bon. Mais encore une fois, le l'hospice règle tout, hein. Ouais. Enfin, sauf si il est tué. Non, parce que là, si il y a un play, hein, je ping ça, je remplis son bord à cette créature et je... Oh, qu'il est bon le maybe. Pro tips, ouais. Monsieur et dame. Oh, oh. Quelle qualité! Écoute, voilà. Joueur de qualité de père en fils depuis 1860. Ah, écoute, et voilà, c'est allé, comme ça. Alors, out c'est... play, out, out play. Voilà, voilà, voilà. Bon, ceci dit, il a encore une main velue derrière. Oui, mais elle est où ta chouette? Elle est où ta chouette? Et là, ça me garantit un Torisan sur un board plus ou moins détendu. Oui, parce que lui, il va vite fondre. Hein. C'est ça. Et là, évidemment. Alors on nous dit que, tu vois, chez moi, pas de casquette, ah ben non, pas de couvre-chef, on dit ça rigole pas, avec les réactions. Ouais, non, c'est ça, ils souffrent pas, hein. Je suis rentré avec un enfant, enlève ça. Et là, je freeze, complètement, je protège mon temps. Ouh. Le puze, très combatif. La surpuissance, voilà. La surpuissance. Et c'est ce que je te dis, c'était en fin de compte, tu vois, c'est quand même, je pense qu'en fait, il a... je pense qu'il a concede sur le tour d'avant parce qu'il s'est rendu compte que mettre la sixième créature me permettait ce play-là. C'est pour ça qu'il a dit que c'était une erreur. Je crois qu'il s'en voulait. Et je crois qu'il a ragé, quoi. Alors moi, j'en profite, je vais lire le chat. Ah bah écoute, fais-toi plaisir. Pourquoi vous ne mettez plus le fond vert au lieu du placard à balai pour maybe? Parce qu'après, il faut le replier. Mais on aurait pu, mais enfin, bon. Après, il faut le plier, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Mais regarde à ta gauche. Ouais. Si vous voulez à la pause, on vous le mettra. Il est... Ah, guerrier contrôle. Alors, honnêtement, dès que je vois que c'est un guerrier contrôle, je concede. Parce que ça m'a... Tu crois que t'as 0% de chance de gagner? Allez, on peut la tryhard parce que c'est vous, hein. Mais honnêtement, si je suis tout seul à la maison, à l'instant où je vois que... Genre, quelque chose qui ressemble à une justicar, il est parti de maybe. Ah oui, on va vous montrer la liste après. Ah oui, il faudra monter la liste. Dis, je vois un truc, je vois une remarque qui fait plaisir. Les gens nous disent, ça fait bientôt 2 ans que les premières shows ont eu lieu. Et on retrouve la même ambiance, ça fait plaisir. Bah, ah bah écoute, c'est très gentil. Dites ça fait nous, plaisir. Alors pour les gens qui verront ça en VOD sur YouTube, dites-nous si vous aussi vous retrouvez la bonne ambiance du Hurt Show. Puisque, comme vous le savez, c'est un peu l'idée, non pas de recréer HSFR, puisque... Voilà, ici c'est Davido et Mibi, c'est des personnalités différentes, puisque j'ai la chance avec toi d'avoir le... Peut-être ce qui manquait dans HSFR, c'est-à-dire vraiment la pro player touch. Écoute, c'est gentil chose, à toi. Mais non, mais chose qu'on nous a reproché parfois d'ailleurs. Alors là, je suis content. Mais là, tu sais que c'est du grim. Et ouais. Et le grim, ça va. Le grim, c'est jouable. C'est pas forcément le meilleur des match-up, attention. Hein. Ça reste un guerrier, quoi. Hein. Ça reste, c'est surtout... Mais bon. Il y a maintenant, je suis passé de 5% de winrate à peut-être 30-40% de winrate, selon un peu son skill et le mien. Là, bon, moi, c'est personnellement, c'est un match-up que j'estime maîtriser. De toute façon, je vais quand même prendre un trait d'ici. Hein, oui, parce qu'au pire. Ouais. Donc. Alors, idée pour le prochain vlog, visite du bureau placard à balai de David. C'est pas... un jour, je vais vous faire... je vais vraiment vous enregistrer la pièce et vous verrez que c'est pas une grande pièce, mais c'est... Elle est pas petite non plus, ben c'est non. Une pièce. C'est un bureau quoi. Ça doit faire quoi? 16 mètres carrés, un truc comme ça? Non, peut-être un peu moins. Non, tu t'emballes un peu. Je m'emballe. Ouais, tu t'emballes. Et mon bureau fait 12 mètres carrés. Tu t'emballes toujours pas. Alors, le pro player touch sur SHFR, c'était pas censé être toi. Non! Moi j'étais censé. Eh, hey, tu vas le faire piocher? Mais je me dis, c'est ma meilleure condition en fin de compte, ça se gagne à la fatigue ce match-up là. Mais. C'est... Ce que je peux faire quand même, c'est quand même ça. Parce que de toute façon, il va quand même piocher d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'allais dire. Mais salut à tous, hein. Je vois que ça continue. Ouais. Et puis je vois que les gens nous rejoignent petit à petit. Ouais, il faut dire, David Mebi, c'est une combo qui rocks. Merci pour ce plan. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ah. On a un check de plus. Ouais. Faut faire le pouce, hein. Faut faire le pouce. Ah, le pouce. Ouais, le pouce. Come on. Le pouce est important ici. Hein. Donc, je suis un peu embêté, mais bon. Ouais, c'est un peu... C'est pas grave. En fait, je fais ça pour... Je veux pas qu'il ait par contre ça sur les grimes, tu vois. Et là, ce que je vais faire, simplement... Tu vas récupérer des points. Moi, je vais lui faire... C'est qui le guerrier? Pourquoi t'as 0 d'armure et moi, j'en ai 14? Yeah. Salut, Talmon. Merci à toi.
Et là, j'ai bien fait, hein, parce que si je le faisais péter là-dessus, j'aurais été bien marqué. Ça a été un peu plus embêtant. Ouais. Et c'est vrai, au début d'HSFR, moi, en fait, j'apportais l'avis d'un joueur de WoW TCG, parce qu'il y avait beaucoup joué à WoW TCG. Mais Hearthstone, je n'ai jamais été pro player. Et il y a encore un follower. Merci les gens. Ah, mais il y en a... Ah non, alors, baissez la qualité. On est à 82 viewers. Dès qu'on arrive à 100 viewers. C'est moins. Hein. Là maintenant, il devrait déjà. C'est avec un F5, vous l'avez normalement, oui les amis. Ah, ok, ouais. Voilà. Un petit F5, ça devrait être bon, me dire. Ça devrait être bon. Hein. Alors, verra-t-on un jour Madame David David en chair et en os durant un stream ou un booster battle? Mais Netlaxis, si tu cherches sur la chaîne YouTube, tu verras que tu trouves Madame David David de manière très immobile, mais tu la trouves. Ouais, c'est pas une photo, hein. Mais Netlaxix, dis-moi si tu l'avais déjà vu ça. Il y a un booster battle légendaire, un des meilleurs que j'ai jamais fait. Va voir sur la chaîne, c'est avec Madame David David. Et là, il pioche trop. Il pioche beaucoup trop. Je pense qu'il gère mal son match-up. Mais bon, après, je vais pas pouvoir ramener, ça reste un guerrier. Il est à combien? Il est pas au maximum? Ben si, là, il va devoir. Mais il est fou! Là, pour moi, là. Mais pourquoi il fait ça? Pour moi, là, il fait des erreurs. Il va cramer des cartes. Mais en plus, moi ça m'arrange. Pourquoi? Parce que moi il me permet de piocher aussi en fin de compte, tu vois. Parce qu'au plus, parce que sinon moi je devrais même pas utiliser ma pioche. Mais au plus, lui va piocher. Ah voilà. Et au plus, lui va piocher, moi je peux me permettre de piocher derrière. Alors par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je peux pas me permettre d'utiliser mon flame strike. Non, pas encore tout de suite. Je dois attendre les nains. Donc je vais tenter un clean. Je vais tenter un clean. Oh oh. Alors pour ceux qui posent la question, la fac, en fait, elle est déjà enregistrée, mais... je pense que c'est une exec, hein. Oui, bah... Probablement. Hein. Mais oui, mais le truc, c'est que je me dis que si il arrive pas à exec le Torissa... Gros mâche. Ah là, il est en train de me presser comme un petit citron, hein. Il met beaucoup de pression ici. Comment ça me fait pas du bien, pour être honnête avec vous, les amis. Bah, le Flame Strike reste quand même intéressant. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tu vas freeze? Ouais, je vais piocher, je vais aller chercher, des freeze. Parce que. Du coup, ici, tu freeze le truc. Ouais. Tu peux lui mettre 4 dégâts au passage, hein. Et il est Flame Strikeable. Ouais, mais j'ai. T'es pas obligé, hein, mais avec le javelot, tu pourrais. Ouais, je pourrais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'utiliser le Flame Strike ici. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est. Probablement. Peut-être déjà rentrer du dégât là-dedans. Comme ça, tu pourras le trade éventuellement. Voilà. Ou alors, je pourrais mettre le savant fou. Pour setup quelque chose. Ouais, je pense que j'ai plutôt me diriger vers le savant fou. J'ai tapé là-dedans. Comme ça, je suis garanti que ça, au moins, ça meurt. C'est ça. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, à Lucas, HSFR, envoyez les dons à GoldQuest. Je te rassure, les dons ne vont pas à GoldQuest. Les dons, s'il y en a, ils vont à David de David. Pour streamer d'ailleurs dans le placard. Voilà. Ouais, ah ouais, écoute. Je vous rappelle que dans la FAQ, on parlera bien entendu en détail de GoldQuest. Intéressant. Alors, ici, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut blizzarder, hein. Et les gens nous appellent HSFR 2. Ah bah, écoute. 2.0, version évoluée, bah, c'est ça que je veux comprendre dans le 2.0, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bah. Alors. Du coup, tu peux faire une torchounette aussi. Hein. Ou alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement, tu vois. Sniping. Ouais, et je le mets à 4, tu vois. C'est ça, et tu gardes ta torchounette. C'est ça. Pour le combiner avec... Pour le moment, ce qui est bien, c'est qu'il n'a que 4 points d'armure. Ah ouais, là pour moi, mais c'est pas son armure qui m'inquiète, hein. Et là, tu vois, je l'ai un peu rattrapé dans la pioche, malheureusement, parce que... Et Alucard, il lâche rien, quoi. Non, il lâche rien. Alors, c'est quand la FAQ? Bah, la FAQ, en fait, elle est record, mais à chaque fois, je me demande si elle est suffisamment complète ou assez claire. Et, bah, bon, j'attends moi, à chaque fois. Moi, je l'ai vu. Elle est comment? Elle est bien. Franchement, vous aurez trop envie de la voir, quoi. Non, franchement, vous savez pas ce que vous ratez, les mecs. Honnêtement... Moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux être heureux. Et les gens qui nous disent ah, j'essaie de faire deux le retour. Plus fort, plus rapide. Ouh, c'est agréable tout ça. Et on a un choc de plus. Ouais, merci à toi. Merci à toi.
Alors, on va dégager ça. Et tu vois, en fin de compte, j'ai réussi à me débarrasser de toutes ces cochonneries. Mais parce que c'était une 22. Oui, oui, mais le machin là, 22-1. Mais j'ai réussi à me débarrasser de tout son truc. Est-ce que tu lui mets quand même un petit Torisan ou pas? Parce non. que la Torisan va se faire. Non, non, j'attends mon Antonidas en fait. J'ai essayé, dans le meilleur des mondes, je vais essayer de la mettre c'est sur ça. Antonidas. C'est carré, merci pour vraiment tous les commentaires sympas. Et pour les autres ouais, aussi. Ouais, c'est sympa. Apparemment, les gens trouvent que le duo est terrible. Mais c'est vrai que. Il n'y a pas beaucoup de duos hein, sur Hearthstone. Hein. Non, non, c'est vrai. Ah voilà, et là, c'est quelque chose qui se traque déjà plus. Ah non, même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a craqué. Bah tu vas le torcher. Il est... Ah oui, oui, là je le torche. Direct. Ah oui, là, là. Au sens propre du terme. Ah oui. Ça fait penser à... Ah oui. Il s'est passé un truc horrible tout à l'heure. Non, 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 on ne parlera pas. Non, 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 non. Je ne dis rien. En parenthèse, c'était une catastrophe. En fait, apparemment, Maybe est pas trop, trop habitué à avoir un petit qui dit caca et qui met le doigt dans son pampers. Ça arrive pas souvent, ça arrive. Alors, Davido ne termine jamais sa phrase, du coup. Laquelle? Oui, t'as vu, je fais diversion. Mais la FAQ, bientôt, bientôt. Mais à chaque fois, je me demande si elle est bien, donc... je pense qu'elle devrait vraiment arriver. Regarde comment je l'embête avec... c'est pour ça que j'essaie de garder... Par contre, ça, je peux le jouer, j'ai pas besoin d'attendre. Ce qui est un peu dommage, c'est que le premier... Bah, tu feras pas mieux, le premier... Pour le bouclier qui passe... Non, il a pas, hein, c'est exécute, hein. Il y a pas de... Ah oui, c'est un patron. Hein. Oui, c'est un patron. Ouais, c'est plus embêtant, déjà. Une armure faite sur... Ok. Allez, c'est parti pour le double Armor Smash. Oh, 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 oh. Sauf que moi, ma une condition, elle est pas là. Hein. Ma une condition, elle est pas là. Elle est, je vais essayer de le mettre à la fatigue. Elle est là, ma une condition, à moi. Ok, il va exec. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Il va exec. Ah oui, là, de toute façon, il a pioché raisonnablement. Il a l'exécute. Alors, avec Davido à côté, Maybe risque moins de coups de parpaing. Chez moi, oui. Ah oui, ici, j'en chez risque pas. Chez toi, c'est moins sûr. Ah ouais, ici je suis tranquille, ici je suis... C'est pour ça que je suis venu ici en fait, hein. Tu fous les coups de poing, ouais, ouais. C'est un réfugié. Oui, je suis réfugié politique. C'est un réfugié, c'est ça quoi. À quand un opening de booster contre Maybe? Très bientôt. Ouais, mais personnellement, moi je le dis direct, je touche pas à un seul de mes golds avant la nouvelle extension. On se fera un live spécial. Ah ouais. Oui, ça par contre. Ah oui, oui, oui. Parce que là, je vais en craquer au minimum 150, donc... On a de quoi faire 3 heures de booster battle. Alors, est-ce que j'ai envie de piocher? Donc là, concrètement, si je pioche, je me mets au même niveau que lui. Ah non, il va piocher encore une carte en plus. Donc, je peux commencer par une pioche. J'aimerais bien aller trouver Storysan. En tout cas, on espère que vous vous amusez bien. Les mauvais drôles. Ah, c'est pas extraordinaire. Et ça, je dégage. Oui, hein. Bah, tu... De toute façon, il y a déjà un patron qui est parti. Il y a le gros moche qui est parti. Normalement, ses armures, il n'y en a plus. À part son armure. Ouais. Mais il est quand même à 42 points. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Ouais, je sais que ça a l'air comme ça. Ça, par contre. Ouais, ça, c'est ce. C'est un problème. Ça, ce boom ping. Hein. Enfin, ça se ping fireball. Hein. Ouais. Puis après, tu fais double acolyte, hein. Non? Mais non, parce que le problème, c'est que je peux pas piocher, hein. Là, je suis coincé, hein. Et le problème, c'est que c'est Antonidas, je l'attends, mais bon... T'as combien de cartes, toi, dans ton deck? Je suis à 7, à 6, c'est lui, à 5, ouais, tu vois, donc c'est compliqué pour moi, ici, d'aller... Donc là, les acolytes sont des cartons. Je vais simplement mettre l'hospice. Ouais, ça pourrait être sympa. Un commentaire sur l'extension. En fait, on vous a prévu 3 vidéos sur justement, enfin, vous verrez ça dans... On fera probablement ça dimanche prochain, d'ailleurs. En fait, en tout cas, on va peut-être commencer, on va un peu revoir les decks existants actuellement, si on devait enlever toutes les cartes qui sortent. Et on va déjà voir, au passage, évidemment, pas trop changer dessus. Ouh, c'est sévère, ça. Là, il me fait pas du bien. Là, il m'a battu. J'ai perdu. Il va me mettre à 3. Ah, il faut que les bombes me fassent double 1 ou j'ai perdu. Il a gagné. Là, c'est bien joué de sa part. Oh, pile. Ouais. Antonidas s'est fait attendre. Ouais, l'Antonidas n'est pas arrivé, malheureusement. Ça va, t'as pas encore perdu trop de place. Hein. Non, mais bon, après, honnêtement, c'est pas non plus le match-up sur lequel je... Merci à toi, Ginzu. Non, faut que tu le fasses de manière un peu plus... Soldat US, quoi, en mode américain. I'm American. C'est Chuck, quoi. Merci à toi, Matt Barr.
Donc, l'extension, la nouvelle extension, on va vous faire, oui, des, alors... on va faire des vidéos. On va faire au moins 3 vidéos dans lesquelles on va reprendre les grands archétypes des decks. Et on va regarder si on sort toutes les cartes qui vont être sorties, quel deck apparemment est vidé de sa substance ou pas. Il y a des decks qui sont peut-être encore jouables, d'autres pas. Ouais. Et on va un petit peu voir. Alors, de la même manière, évidemment, au fur et à mesure que les cartes vont être révélées, on va un peu regarder. Ici, il y a que 6 cartes qui ont été révélées. C'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. On me demande beaucoup mon avis, mais honnêtement, j'ai tendance à dire... J'ai du mal à donner un avis concret sans avoir vu le set dans sa globalité. Parce que moi, honnêtement, je vais vous dire, les cultistes, moi, ça, c'est mon premier ressenti. Mais bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que comme j'ai... C'est très quasi. Mais j'aime... Ouais, je vois pas comment est-ce que tu peux employer une carte qui va potentiellement booster une carte qui est potentiellement dans ton deck. Enfin, tu vois, ça... Il y a beaucoup de potentiel, quoi. Mais peut-être qu'il y aura d'autres. Ouais. On va un peu voir ce que ça va donner. Alors, David, on ne te voit plus sur la GOTV, tu as un manque de temps. En fait, ce qui s'est passé sur la GOTV, c'est que j'avais beaucoup streamé au mois de décembre. Et puis au mois de janvier, j'ai eu mon opération à l'œil. Ouais. Et en fait, suite à ça, j'ai prévenu que je ne pourrais pas streamer pendant 2-3 semaines. Les horaires ont changé. Et tout simplement, pour le moment, on attend que la baston soit lancée. Elle était censée avoir lieu au mois de janvier. Mais pour tout un tas de raisons, la production a pris un peu de retard. Et donc moi, j'attends pour la baston. Et voilà, c'est un petit peu, la raison. Et normalement, je devrais streamer une fois par semaine chez Géo. Rassurez-vous, pour la baston juste. Une petite demi-heure, Axel. Oui, on habite à une demi-heure l'un de l'autre, ce qui est tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'il vient vraiment? Il l'a, rassure-moi. Ah, ok, d'accord. Parce que, du coup, ici, contre prêtre, c'est moins grave, parce que prêtre ne se remonte pas au-dessus de 30. Mais je pense que je peux pas perdre ce match-up s'il n'y a pas de catastrophe vraiment nucléaire. Je pense que c'est un match-up que je peux pas perdre. Hein. Tu vas face. Oui, oui, moi je face. Hein, il a utilisé sa pièce, donc éventuellement, s'il n'avait pas utilisé sa pièce, j'aurais peut-être réfléchi un peu plus loin par rapport à la Nova. Ben oui, mais alors, attention, parce qu'il y a Mister Yagout qui prétend que Stun, enfin le machin, c'est Stun plus Bran, il fait ça fait du rank one légende ça. Il est en mode ouais je prends plus Bran, c'est OP. Enfin il y a eu plein de combos OP avant de... Oui, c'est la première fois qu'on entend oui, combo OP, lololol, et en fin de compte, c'est combo. Donc voilà, faut voir, de toute façon, il est beaucoup trop tôt honnêtement, pour donner l'avis sur un set qui vient peine... Là, je vais trade la pioche. Allez. Je vais d'abord aller piocher ma propre pioche. Évidemment, on pioche toujours avant. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui crames sa 4-5? Non, si je tape, c'est la... Si je tape, c'est ça. Tu l'as fini? Ouais. Ou alors... C'est... Apparemment, ça se prononce Katoun. Katoun? Katoun. Ah bah, tu vois, ça m'aurait pas semblé évident. Katoun la tatouille. Ah, écoute, tu clean, hein. Là, je suis embêté parce que je viens de piocher ma deuxième barrière de glace. Je me suis un peu fait troll sur ce coup-là. Ouais, bon. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez vu la vidéo, le Davido Vlog découverte? Je sais pas si toi tu as fait attention. Dans laquelle, avec mon pote, choix de vilaine. Ça devient désagréable, hein, 6-9. Moi, mais bon, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que tu as fait attention? Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Est-ce que vous avez été attentif dans cette vidéo? Parce que tu sais ce qui va se passer. Ça a été décidé, c'est officiel. Dans avec Johan. Dans laquelle... Donc Johan, c'est qui ton est, musicien. Hein. Voilà, Johan est mon chef d'orchestre. Il est chef d'orchestre. Ouais. Qui va de faire la musique de l'intro de David de David. En fait, on a décidé, parce que j'avais déjà un début. J'ai inventé un début comme ça pour les fans. On va créer la chanson de David de David. Bienvenue. Et on va la chanter ensemble. C'est décidé, on s'est engagé. Ah, ça va être pas mal. T'as pas envie ça. De chanter avec nous, toi? Tu te sens d'attaque? Non? Non, moyen? Écoute, je suis vraiment pas très... Oui, alors techniquement, effectivement, sorry Gaten, ça aurait été peut-être mieux. Le problème, c'est que je peux pas le savoir avant. Et le fait de piocher, ça m'offre une option supplémentaire. Si je touchais, par exemple, un éclair de givre ou quelque chose comme ça. Donc, que j'ai eu par après, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc, oui. Donc on te sent moyennement motivé là pour le... Pour chanter? Honnêtement, tu m'entendrais chanter, tu me frapperais. Ah bon, à ce point-là? Ah, je suis le seul mec qui se ferait tabasser par la sécu s'il irait à chanter comme une star là. Intéressant. À The Voice. Ah oui, moi il dirait, chopez-le, qu'il revienne plus jamais.
Merci à toi. Ah ouais, il y a... lui, faut plus qu'il revienne. Il faut même pas lui donner envie. Balancé par l'entrée. Chopez-le. Ah ouais. On va pas m'éterniser. Fait mal. Faut plus qu'il revienne ici. Faut plus qu'il se présente. La joie de chanter se voit sur son visage. Ah ouais. Mais il va faire le refrain. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, messieurs, vous voulez qu'on... En plus, moi, moi, c'est vraiment un défi, quoi, jouer le match freeze comme ça, avec le chat. C'est défi, hein. À niveau top, hein. Ah ouais, non, c'est défi, quoi, parce que c'est vrai que c'est un deck qui demande quand même un minimum de... Je pense qu'après cette game-là, on ferait une pause ou net. Ouais. Parce que j'ai tout le babyphone, là, je pense que j'irai quand même l'apporter à mon épouse. Ouais. On va recharger les boissons, c'est de l'eau, hein. Oui, c'est de la bière transparente. Oui, tout à l'heure, quelqu'un a fait une remarque. Et en même temps, on est belge, donc on part avec le cliché. Ouais, mais c'est ça, quoi. Un jour, il faudrait un duo avec Torlk aussi, le prude et l'escroc. Ah oui, mais je lui en avais parlé à Torlk. A priori, on était censé le faire, mais... Il faudrait quelque chose. Ouais. Genre Alex ou Alex. Tu crois qu'il joue des Pimp Temor? Sûrement, ouais. T'as pas le choix, de toute façon, tu dois le faire. Hein. Ouais, je vais y aller. Hein. De toute façon, si Mining tombe, bah, c'est ça que je prendrai pas sur autre chose. Hein. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je liquide ma main pour pouvoir réactiver de la pioche. Parce que là, en fin de compte, je peux plus piocher. Hein. Écoute, on te demande si tu es pro player plein temps ou pas. Mais pas du tout. Non. Non, à l'époque de Punchline, j'étais beaucoup plus impliqué dans le jeu. Mais là, j'ai repris mes études. Donc pour répondre à ta question, là j'ai repris des études et question suivante, j'anticipe en programmation. Alors, pour moi en fait, j'ai jamais été pro même à l'époque HSFR. À l'époque HSFR, on était sur le point de faire un demi-salaire, de faire un mi-temps. Est-ce que tu vois le scandale? Le scandale avec Antoto. Est-ce que tu vois le scandale? Mais soyons clairs, aujourd'hui, autant pour Mebi que pour moi, c'est vraiment, vraiment ce qu'on appelle un loisir. C'est ça, c'est un hobby. Hein. Moi, c'est vraiment le loisir du dimanche soir et quand j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Donc, moi, je fais vraiment ça. Je vous rappelle qu'à titre personnel, Mebi a repris des études full-time. Ouais. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je travaille dans la finance depuis 13 ans. Et en plus, je donne cours. Et je fais vraiment, vraiment ça en après-journée pour rigoler. Alors là, je peux pas pinguer en fait, parce que si je ping, il peut me faire brûler une carte. Et que vous voyez que dans 12 cartes, j'ai 2 cartes clés. Donc limite, tant pis, il me la vole. Il est à 9 cartes. Ouais. Là, tu peux lui en cramer. Probablement une, mais là, il va... qu'est-ce qu'il peut jouer? Non, il peut mettre peut-être une petite créature. Ouais, c'est bien de ça. Ça peut être une bénédiction comme une malédiction, hein, le Death Lord. Le Death Lord. Alors, on va mettre... Je vais quand même le mettre au Thanos parce qu'il me faut du recycle. Comme ça, on va piquer... Ah, j'ai mis... Décidément, maybe. Je suis pas concentré avec le chat. Parce qu'en fait, si je pingais avant, je lui mettais 10 cartes, il en brûlait une. Et là, je l'ai tué à 3, tu vois. Donc, ouais, bon. Si des Belges n'aiment pas la bière, c'est que vous êtes des extraterrestres qui ont emprunté le corps de Mebi et Davido et votre but est de dominer le monde à travers les jeux vidéo. Alors que moi, je bois jamais d'alcool. Hein, j'ai failli faire un truc. Bonjour, ils sont partout. Oh non. Mais comment voulez-vous que je me... Comment je fais moi pour jouer pour... Bah, c'était un des trucs super in quand j'étais gosse. Tu sais les rendre les lignes. Quelqu'un est blessé. C'est Lucas Lastrain. Comment je me concentre moi dans ce... Alors décidément, l'Antonidas il me fait la... Non hein, j'étais sûr que tu l'as mis dans le deck. Mais il t'a toujours pas montré la decklist hein. Alors j'ai Ah mais oui, putain. On te demande, Mebi, t'as quel âge pour reprendre des études? C'est toutes les sources Antonidas. Y'a pas d'Antonidas. On la refait. Bonjour à tous et bienvenue avec Davido et Mebi. C'est le professionnalisme et le pro-gaming qui est à votre porte, devant votre écran, écoute, sur votre tablette. Aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont un problème de qualité, c'est trop, voilà. Faites un F5, parce que normalement, ça devrait. Oh non, je suis au bout du rouleau, là. C'est la catastrophe. Et hop. Oh yes, à nouveau, check. Je pense que c'est un truc... C'est à toi. Il y a personne qui a encore activé le Donation Alert. Non. Parce que là, vous n'allez pas être déçus. Il y a une Donation Alert maison, les enfants. Maison. Alors, les gens qui ont connu les streams de Davido il y a déjà quelques mois connaissent, mais
Elle n'est pas piquée des verres. Eh, la voix, c'est de moi, en plus. Ah ouais, elle est pas piquée des verres, elle est pas piquée. Alors, bon, oui. Maintenant, du coup, il me faut l'Alex. Alors, on demande très bien Olisan, il avait présenté des decks sur HSFR à un moment. Mais Olisan, comme je l'ai déjà dit, est en Indonésie, en fait. Ah ouais. Aïe. Ah, ah, je... Oh, tout, trop bien. Il fait du Penchaxilat en Indonésie, ça déchire, tout. Ben non. Et un autre Chucky. Ouais, merci à toi, Pabanxo. Excuse-moi, je viens de massacrer ton nom. Comment tu l'as appelé? Pabanxo. C'est ça, hein, en plus. Non, désolé. Et Carbone aussi. Carbone, c'est bon, facile. Carbone, voilà. Carbone, c'est bien. Monsieur, on a 14 ans, ta fille. Alors, Carbone... Alors, quand je vois Carbone 9, moi, j'ai toujours une question. Quand je vois des gens comme ça sur Twitch... Est-ce que tu t'es fait ban les 8 premiers Carbone pour avoir le Carbone 9? C'est une bonne question. Tu vois, c'est une question que je me pose, moi. Enfin, je me pose parfois des questions un peu... existentielle. Bon, Alex Traza, bon, du coup, maintenant qu'on sait qu'Anthony Das, on peut attendre 3 plombes qui viendra pas. C'est ce que j'allais oui, dire. Oui, effectivement, Bruxelles, moi. Et moi, c'est Dolly. Vous connaissez la blague belge du joueur qui attend Anthony Das. Qui a pas mis dans son mec. C'est pas faux, hein. Elle est pas très bonne, cette blague. C'est pas faux. Elle est... Non, c'est une blague un peu éculée. Elle est pas très c'est bonne. Pas vraiment une blague. Non, elle est pas très bonne. D'ailleurs, on n'a rien lu. Non, d'ailleurs. Non, même pas de... D'ailleurs, tu voilà. N'existes pas. Tu n'existes pas. Dis, c'est... tu prends un peu des dégâts quand même. Mais oui, mais moi j'attends mon dragon hein, qui. Ah, la super question. Ça faisait longtemps. Mais que devient le seigneur Esquilax? Ça faisait un bail. Alors, ça c'est une question à laquelle j'ai répondu la FAQ. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a quelques jours, il allait très bien. Il est occupé sur d'autres projets IRL. Donc, apparemment, pour le moment, il ne fait plus de vidéos, il ne fait plus de live parce qu'il a d'autres activités. Des activités professionnelles qui l'occupent, tout simplement. Quand je l'ai vu la dernière fois au mois de décembre, il était bien. Et là, Yori m'a confirmé il y a à peu près 10 jours, 10-15 jours, qu'il était en parfaite santé. Donc ne vous tracassez pas pour lui, en tout cas pas pour sa santé. Tout va bien. Voilà. Bon. Non, j'ai pas entendu sur le deck. Hein. Allez, c'est ça toute l'astuce en fait, c'est que j'ai fait une modification ce matin. Et que je joue évidemment historiquement Anthony Das dans le deck. Et que je l'ai changé ce matin. T'as pas l'impression qu'il était quand même plus fort avec Antoto? À l'heure où je te parle, je me dis oui. Mais là précisément, là tout de suite, tu vois, je me dis oui. Mais là par contre, honnêtement, si j'ai Alex Traza, le gars, je le mets en orbite, hein. Regarde la main que j'ai, quoi. J'ai de quoi faire 7 milliards de dégâts, hein. Ceci dit, ça c'est pas mal, Torisen. Bon, ça va se prendre un paf, t'es mort, mais... C'est pas grave, ça. Il aura fait le boulot. Mais... Ou alors, ça va rien se prendre. Ah, mais si t'as pas l'Anthony Das... Mais par contre, là, ça va peut-être être une bombe de lumière, il n'a pas le choix. Oui. Alors, là, on vient de me poser une bonne question. David, tu as fait quoi comme étude? Alors, moi, j'ai fait comme étude master en économie. Et puis, j'ai fait 3 années. À l'époque, ça se donnait en cours du soir. 3 années en assurance. Donc, j'ai 2 diplômes. Voilà. Ouais. Pour ceux qui se posaient la question. Et alors, pour la question qui était passée, si j'étais... Quel âge pour prendre les études? Là, j'ai 32 ans. Mais honnêtement, j'estime qu'il n'y a pas... J'estime qu'il n'y a pas d'âge pour ça, tout simplement. Tant que, si on a les moyens... Si, les... si on peut se le permettre... Si on peut se le permettre, je pense que... Tant mieux, hein. Ah! J'ai cru voir un gros dragon. Et du coup, est-ce que ça fera le boulot? Probablement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais déjà boum boum? Je sais pas, ouais, je pense que ouais. Je pense que je liquide. Bon, après là, on va avoir repassé flash heal, heal face. Il va récupérer 5, 14. Il va remonter à 22, mais il y aura plus de deal derrière. Alors on te demande ce que tu reprends comme étude. Programmation. Je suis en première année de programme. Là, j'ai repris cette année. Oui, j'aime beaucoup. Et j'ai réussi mes examens. C'est bien, c'est pas historique chez moi, Adris. Donc je suis content. Et ouais, ça me plaît beaucoup, je me plais bien. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Bon, je galère un peu parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Ah, c'est rigoureux, c'est rigoureux. Ouais. Bon. Si je perds, je chante du My Day. Oh mon dieu. Le problème, c'est que. Moi, quand je chante, c'est un peu l'équivalent du kia. Enfin, c'est le cri qui tue, quoi. Vous c'est risquez. Le kiaï. Ouais, vous vous dites. Mais ouais, tu sais, encore une fois, il y a 36 façons de faire le kiaï. Mais écoute, moi qui chante Miley Cyrus, c'est une des 36. Non, mais c'est parce que tu sais, t'as des gens qui font le kiaï du vent, tu fais. Par exemple. Okay. Puis t'as des gens qui font le kiaï. C'est tout possible. Ah, mais celui-là, il fait plus. Ah, là, regarde, flash heal. Aïe.
Oh, mais il faut un top deck Anthony Das. Kappa. Écoute, on va y aller, hein. On va retrousser les manches et on va le baffer. Ou alors, si je mets ça, je le mets sur 12. 16. Il remonte à 16. C'est après, j'ai tac, tac, ping et je le tue. Concrètement. 16. J'ai un létal là. Attends. T'es sûr ? 6. 6. 9. 12. Non, pas encore. Non. Non. Ah, par contre, si j'utilise. Moi, ce que je pensais, en fait, c'est utiliser ma torche pour avoir une chance de drôle repop. Et je vais tout cramer. Sauf ça, parce qu'il me reste encore un javelot dans mon deck. Ah, on me demande ce que devient l'eau. Ben en fait, Lo est très, bah, il a été très occupé aussi, et en fait, ben Lo, on s'amusait beaucoup quand on streamait, mais comme il n'était pas super super fan d'Hearthstone, et que moi je suis allé streamer sur Gamers Origin, ben en fait, Gamers Origin, ben, c'était moi qui allais streamer, c'était pas le duo, et donc, ben voilà. Hey, salut Elon. Et d'ailleurs, figure-toi, David, qu'il y en a un. Oui. Donc j'étais, je vous la fais, hein. J'étais en train de faire la pause devant l'école et puis il y en a un qui vient me voir de ma classe, enfin maintenant il est dans ma classe en deuxième semestre, premier semestre c'était pas dans ma classe, et il vient me voir et me fait, est-ce que t'es pas maybe? Alors tu vois direct, le cou qui gonfle, les chevilles qui s'enflent évidemment, ouais tout, il fait ouais parce que je t'ai vu en duo avec Davido David, donc bah, si jamais tu es là, l'ami de ma classe maintenant qui est dans ma classe, bah, salut à toi hein. Donc on sait jamais si ça se trouve, il est là. Pourquoi pas? Ouais. Ce serait. Ah, par contre. Tu vois, j'ai peut-être bien fait de recycler. Voilà ce qu'il va venir. Un petit peu de dégâts. Ah, bah rien du tout. Ça, c'est fait. Donc c'est que des dégâts. Ouais, j'ai que du sort dans le. Coucou le prêtre. Allez, c'est parti. Par contre, si je pense que j'ai même pas. Tu as déjà joué tes deux javelots? Non, j'en ai encore un. Par contre, je pense que je vais même pas l'attendre parce qu'il a utilisé tous ses heals. Donc là, si je le mets à 6, j'ai une chance de le tuer maintenant. Après, si le javelot sort, je vais être triste. Mais techniquement, je pense que c'est le bon play. Parce que là, il peut essayer le cut de 4. Il a utilisé les deux flash heals. Il a utilisé sa Nova. Donc, potentiellement, il peut plus se healer. T'as vu Edika? Ouais. C'est bien. Il a tempo direct. Ouais, directement. Hein. Bon, là, du coup, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il n'est pas fini? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des crafts. Ah, crafter Alex. Alex, c'est une bonne carte. Qu'est-ce qu'il fait? Et il meurt. Non, il veut faire proc. Non, mais il est mort. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut lancer sur sa tête. Il peut faire un poirier. Il est mort. Je sais pas ce qu'il espère là. Bah, il joue. Bah, il, ouais, il est là. Il se dit peut-être. C'est, il a pas d'Anthony Das. Peut-être qu'il a pas de pyro. C'est le nouveau. Sur un malentendu. Malentendu, on sait jamais. Ok. Bon, allez. C'est pas grave, je vous fais plaisir. Ouais, tu finis à la méga. Au Kamehameha, ouais. T'es prêt? Ouais, mais c'est pas grave. Peu importe que j'ai gagné, je vais être sympa avec vous parce que voilà, c'est bonne ambiance. Et voilà. Anasen Breaking Ball. Voilà, je m'arrête là. C'était mal, c'est juste. Bah ouais. Tu vois. Ah mais j'avais pas vu ça. C'est lui que ça. Wrecking Ball. Wrecking Ball. Ah écoute, je connais pas. Non mais moi c'est tous ces trucs là, je connais pas. Ah moi c'est la seule parce que je sais qu'elle est nue sur une boule en train de se balancer. Okay, c'est pour ça que je connais hein, concrètement. D'accord. Mais je peux pas te dire hein. Si tu montrais la decklist. Oui. C'est ça, tu l'avais dit. On va la montrer avant la pause. On va la montrer avant la pause. Propose qu'on monte la decklist et puis après on fera une pause ou nette parce que moi. Et là tu vas voir le nombre de viewers. Moins 350 parce que j'ai chanté, tu vois. Panac. Et il faudrait que tu nous dises aussi quelle place tu ferais pour mettre en toto. La torche, probablement. Ou alors. T'as combien de torches? J'en ai une. Ouais, mais une, c'est bien, non? Oui, mais d'un autre côté, tu vois, si tu remplaces les 3 points plus 6 de la torche pour mettre un Anthony Das, t'es pas spécialement perdant en termes de dégâts. Mais tu mettrais pas plutôt, alors, t'enlèverais pas plutôt une Fireball? C'est pas spécialement. Pas spécialement. Sinon, ce qui pourrait se cut aussi, ce serait soit. C'est pas encore trop percutant dans le deck. Ce serait un acolyte. Je vous avais prévenu, vous avez insisté, hein. Vous avez insisté. Donc, soit un acolyte, soit un ingénieur novice. Honnêtement, ça porterait pas non plus forcément préjudice. Mais honnêtement, cette version-ci, elle est plus réactive contre les agros. T'as pas spécialement besoin de l'Anthony Das contre les agros. Donc, là, j'ai eu des très bons résultats. Honnêtement, j'ai perdu, depuis ce matin, j'ai perdu qu'une game avec contre le Grim Patron, moi. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Alors, je l'ai pas vu, Locos, là, je suis en.
avec vous là depuis tantôt. Donc, merci à toi, Chris. Ils ont toujours pas vu là. Non, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le donation alert. Alors. Fait maison. Ouais, ouais. Enfin, pas tout. Il m'a fallu un quart d'heure pour m'en remettre. Hein. Bon. Sur ce, on fait une pause de 5 minutes, on déshydrate, on dit évidemment à tous ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, merci de nous avoir suivis. Je leur mets juste pour leur montrer, vas-y, après, mais voilà. En gros, je le ferai comme ça. Voilà, moi aussi, ce que je veux dire. Ouais. Et si on faisait une deuxième partie de cette vidéo, de ce deck. Pourquoi pas, hein? Après, il avait l'air bien. Mais sinon, vous nous dites dans le chat, parce que j'ai des trucs vraiment. J'ai le guerrier là d'Amnésiaque aussi, c'est le guerrier ultra. Regarde carrément, auspice funeste, double seigneur d'or. Ouais, c'est un guerrier genre. Où il est, chaman agro? viens voir papa. Donc c'est encore pire que celui. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on donne rendez-vous de toute façon aux viewers dans quelques minutes. 5 minutes. Ouais, puis après, pourquoi pas que on ne laisserait pas choisir les deux? On va peut-être laisser choisir. Pour ceux qui nous ont vus sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce up si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de Davido et de Maybe. Si vous aimez le retour du Earth Show. Voilà, gros bisous à tous de toute façon. Ouais. Et allez, 5 minutes maximum. 5 minutes, ouais. Et on est de retour. Et après, on va peut-être regarder la nouvelle carte et vous la débriefer vite fait si vous voulez. Allez, pour vous faire plaisir, parce qu'on vous aime. Voilà, c'est promis. À tout de suite. Ouais, bisous.